To my English-speaking friends, don't forget to activate the subtitles by clicking the button below. Les campagnes japonaises se désertent de plus en plus de leurs habitants. À environ 1h40 à l'ouest de Tokyo, dans la préfecture de Yamanashi, se trouve la petite ville d'Uenohara. Elle est issue de la fusion de deux villages, Uenohara et Akiyama. La population avoisine les 30 000 habitants. Quelques minutes suffisent en train, hors de Tokyo, pour découvrir la campagne japonaise. Les montagnes offrent une variété de couleurs en automne, avec les momiji, ces érables japonais qui se parent de rouge, mais on peut aussi profiter des paysages au printemps, avec les sakura, ces cerisiers japonais connus pour se vêtir de rose. On sent que Uenohara fait des efforts considérables pour se rendre attractive auprès des touristes étrangers, et même des japonais. Une gare flambant neuve, des panneaux touristiques avec des flashcodes, et de nombreuses cartes explicatives. Ce grand bâtiment, que l'on aperçoit du 5e étage de la gare, est un magnifique supermarché avec des produits frais et locaux. Un pur bonheur. Il y a même une zone pour y manger lorsqu'on est de passage. Habitué à l'agitation de Tokyo et aux buildings, ici, c'est plutôt la paix qui règne et les montagnes qui dominent. Ce premier contact avec la nature. L'odeur des yuzu, les cousins japonais du citron, la beauté des pruniers en fleurs, tout en marchant au son de la rivière. On raconte qu'une femme qui venait laver les azuki, haricots rouges, s'est un jour noyée dans le trou. Et que, si on tend l'oreille, on peut encore l'entendre crier. L'entendez-vous ? L'école primaire se trouvait aussi ici, mais face à la désertification, ce ne sont maintenant que des vestiges. On y trouve encore des ruches, entretenues par les habitants, mais les abeilles se meurent. Les gens qui sont encore aujourd'hui habitants de cet endroit y sont depuis petit. On a le droit à beaucoup d'histoires d'enfance nostalgiques, entre les légendes qui effrayaient les petits, les enfants qui plantaient le soja et venaient ensuite manger les fèves en cachette, ou encore les troncs d'arbres sur lesquels on fait pousser traditionnellement les fameux champignons noirs shiitake. Et toujours ces femmes qui peuvent faire mariner du radis pendant 10 jours pour qu'il ait un goût si exceptionnel. Ce couple a passé sa vie à collecter et répertorier les fleurs de la région. À défaut d'avoir ce que la grande ville peut offrir, chaque personne est connue pour ses tâches particulières qu'il peut faire. On n'imagine pas encore le nombre de talents que ces gens ont. L'un de nos guides spécialisés dans la faune et la flore nous a fait découvrir les œufs de grenouilles rouges des montagnes, Yama Akagaere, qui aime sortir les soirs d'hiver. C'est une espèce endémique du Japon. Dans la campagne, chaque pierre que l'on soulève nous fait découvrir une faune cachée inestimable, qui, malheureusement, dépérit dû au changement climatique. Certains vestiges ont été conservés par les habitants, comme les traditionnels toits de chaume datant du shogunat Tokugawa. On a appris des tas de choses sur la nature. Comme les pommes de pin qui se referment au contact de l'eau pour protéger leurs graines, l'intelligence des corbeaux utilisant les voitures pour manger les noix, ou encore les vilains tanuki, les chiens vivrains, et les ratons laveurs qui pullulent et détruisent les environs, faute de chasse.
nous avons eu le droit à un superbe coucher de soleil sur la vallée. La ville possède un très bel onsen naturel, la région étant réputée pour la pureté de son eau. Profiter d'un bain en extérieur, sous la lune, un vrai bonheur. Attention cependant, on reste à la campagne, ils ne sont pas du tout amicaux avec les tatouages. Leur excellent restaurant compense-t-il ? Nous avons été invités à une performance donnée par les volontaires du village. Tout d'abord, une lecture mise en image. Puis, une sorte de spectacle traditionnel à forte inspiration Shinto. Les personnes les plus âgées sont ici les plus dynamiques que j'ai pu voir, capables de danser et de sauter pendant des heures et de travailler le lendemain de très bonne heure. Cette tradition perdure depuis des générations, mais qui sait s'il y aura des jeunes pour la faire perdurer encore. L'endroit où nous logions peut être qualifié de ryokan, c'est-à-dire d'auberge japonaise, mais c'est en fait une maison dans laquelle cohabitent trois générations. Le couple ayant construit cette maison l'a conçue entièrement, il y a à peine 10 ans. Chaque pièce de bois est pensée dans l'amour de la plus pure tradition japonaise. Nante utsukushi. Et quelle ne fut pas notre surprise de découvrir le repas traditionnel qu'on nous avait concocté, chaque membre de la famille ayant fait un plat. Une soupe tonjiru, que l'on consomme souvent en hiver, des honenso, c'est-à-dire des épinards bouillis avec de la bonite, nikujaga, un ragoût de bœuf, de carottes et de pommes de terre, des tempura de shiitake, des champignons noirs frits, des udon de maison, c'est-à-dire des pâtes japonaises épaisses et blanches, et au fond, on a même des gésiers. Et cette chose jaune, c'est du takuan, c'est-à-dire du daikon en tsukemono, un radis japonais mariné selon une recette traditionnelle japonaise. Et voilà, ça vous donne un aperçu d'un repas traditionnel japonais hivernal. Même si pour moi il est sacré, le dessert n'est pas une religion au Japon. Et pourtant, nous en avons eu plein pour ma plus grande joie. Les plus courageux pourront expérimenter l'alcool de riz et l'alcool de prune fait maison. Après cette journée, rien de mieux qu'un repas traditionnel avec des amis, à la chaleur d'une maison en bois. Le petit déjeuner fut aussi riche que le dîner de la veille. Avec ses tsukemono, notamment ume, la prune, daikon, le radis, une miso shiru, soupe miso, du saké, saumon, tamagoyaki, omelette et des onigiri. Nous quittons notre auberge à pied pour le village. On trouve un champ d'épinards, d'où sortent ceux que nous avons mangés la veille. Puis, un premier temple bouddhiste où nous déposons l'encens pour nous apporter chance. On peut en planter autant qu'on veut. J'ai choisi 6, qui se dit roku en japonais, évidemment. Le village semble sorti d'un autre temps. Certaines maisons demeurent les mêmes depuis plus de 120 ans. On peut y admirer de nombreuses plantes,
des bambous bien sûr, et j'ai même trouvé des bonsaïs. Je n'avais encore jamais vu ça. Une sorte d'énorme tombeau. Un travail seulement en hiver pour les populations de campagne pauvres. C'est une sorte de fourneau dans lequel on enferme petit à petit du bois dur, comme du chêne, pour ensuite y mettre le feu. Un feu qui brûlera pendant 3 jours. Comme on le voit écrit sur le carton, Yamanashi no Mokutan, le charbon de la préfecture de Yamanashi est un charbon de bois soigneusement sélectionné, d'un noir parfait, qui sera ensuite vendu au magasin de Yakiniku. Il est envoyé au magasin de viande grillée haut de gamme de la capitale par carton de 15 kg, jusqu'à 200 € le carton. Le charbon donnerait un goût tout particulier à la viande. Il peut être utile à mettre dans votre autocuiseur à riz ou même dans votre frigo pour absorber les mauvaises odeurs. Rien n'est gâché, les cendres serviront aux cultures. Ce monsieur fait cela depuis 20 ans. À noter qu'il fait aussi partie des danseurs du spectacle d'hier et qu'il a entièrement façonné son jardin. On se remet réellement en question, mais pas vraiment le temps d'y réfléchir davantage, nous nous dirigeons vers le réfectoire où nous allons utiliser le fameux charbon pour cuire une partie de ce délicieux repas qui nous attend. L'autre partie sera composée de tempura. La particularité de ce repas, c'est qu'il est servi quasi exclusivement dans des bambous. Les tempura à base de carottes ont précédé beaucoup plus de tempura que mon estomac pouvait contenir. Nous avons aussi pu goûter cette spécialité culinaire, les sakamanju, spécialité de la région. Des manju au saké, c'est-à-dire une boule à base de pâte de riz à laquelle on incorpore de l'alcool avant la cuisson. Et donc juste le parfum de l'alcool japonais, sans les effets. On a pu avoir une démonstration d'origami. Lapin, colombe, grenouille, la finesse et la rapidité avec laquelle il plie. Et comme les vrais maîtres, aucun ciseau, aucune colle ne doivent être utilisés. Juste l'art du pliage. Au moins 10 000 modèles peuvent être faits avec la base du pliage de la fameuse grue. Pratiquant l'origami depuis 50 ans, il est aussi l'auteur d'un bœuf de 5 mètres, en papier. Et ce n'est là que le moindre de ses talents. Les enfants de la campagne s'amusaient beaucoup avec une plante qui pousse à vue d'œil et qui est à la fois souple et résistante, le bambou. En faisant un trou en haut, un trou en bas, une fenêtre au dos, puis une plus petite pour faire traverser la tige, on obtient une sorte de pistolet. Avec un système de butée qui repose sur la courbure du bambou, le bambou plie mais ne rompt pas. Nos munitions sont d'ailleurs aussi en bambou. Un objet qui peut amuser les enfants pendant des heures. Et pas que les enfants, on dirait bien. Non loin d'ici, un somptueux temple bouddhiste nous accueille pour une séance privée de méditation. Un jeune prêtre et son maître, parés de violets, nous font une démonstration de cérémonie avec les chants traditionnels. Aussi une poterie impressionnante, on ne saura jamais si elle était réellement datée de l'époque Jōmon.
Nous avons eu aussi l'immense chance de voir une démonstration de calligraphie, ce qui nous laissera un souvenir avec beaucoup d'histoire. Les kanji que vous voyez sont ceux de dragon et de dieu, Ryujin. Une fois de plus, le soleil se couche sur Uenohara. Il est temps de rentrer à Tokyo. Please subscribe. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais plein d'autres choses sur ma chaîne.